J'arrive. On dirait que tu fais l'amour à l'encre. Aide-moi, Echo. Ça commence. Est-ce qu'il te plaît vivre en pirate, c'est ça? Tu es un pirate. Hey, oh, digga-digga. Être un vrai pirate, c'est très bien pour moi. Est-ce qu'il te plaît vivre en pirate, c'est ça? Tu es un pirate. Bon, bonjour à tous, c'est Philong, voilà, on va jouer à saute. Saute. Saute mouton. Bah là, je suis en train de sauter. Ah putain, mais il est trop stylé ce bateau, c'est le meilleur bateau. Meilleur, je sais pas, mais il est pas mal. C'est où on va là, en fait? Bah ouais, non, Maj, il nous a pas dit là. C'est bon, je la vois, la tête de mort. Elle est cachée dans les nuages. Et si tu veux, maintenant, tu peux monter en haut de la proue et donner nos intentions. Avec des drapeaux. Je vais mettre des drapeaux. Par contre, mets pas le tout dernier drapeau tout rouge, parce qu'en fait, ça signale notre position sur la map. Ah ouais, bien dit. C'est pas mon genre. Ico, tu peux monter, retirer le drapeau rouge qui va lever. Arrête Hisser le drapeau LGBT. Non, Fidron, drapeau LGBT, LGBT lancé. Non, arrête. Tu vas attirer tout le monde sur nous, là. Bah oui, c'est plus drôle. Non, mais arrête de mettre le truc c'est pavillon bon, noir, c'est là. C'est bon, je mets le LGBT. Tu veux qu'on meure, c'est ça? Oui. Quoi, je suis quasi sûr que mettre le LGBT, ça va attirer encore plus d'ennemis. Ils sont pas très tolérants sur Twitch, hein. C'est pour ça. Oui. Mais qu'est-ce qu'on... Oh putain, mais viens, on va voir le volcan. Non, c'est là-bas qu'on doit aller, monsieur Mage. Non, c'est après. J'ai déjà allé là-bas une fois, c'est terrible. Bah si, c'est ici en fait. Non. Est-ce que tu vois les boules de feu? Oui. Eh ben, elles peuvent tomber sur ton bateau. En fait, elles sont clairement attirées par ton bateau, hein. Ça a été prouvé. Hein. Ah oui. Ah oui, je confirme, hein. Elles sont à tête chercheuse. Attention, hein. On peut couler, hein. Bah, par contre, fais gaffe, Fifi, l'eau brûle. Ah oui. L'eau, ça brûle. Bah, je peux pas. Oh putain. Oh, ils sont gros quand même, les trucs. On est dans la merde. Non, c'est bon, je nous ai mis à peu près à l'abri du volcan. Qui est collé au volcan n'est pas à sa portée, normalement. Bon, je suis en train de décoper. Comme Jean-François Copé. Oh, y'a la lune. Il y a plein de bananes, là. Ok, iconoclaste, t'es prêt? Il y a des tremblements de terre. Mais oui, mais attends, mais c'est terrible, ici. Ah bah oui, mais le loot est là. Il y a un volcan qui explose, quoi. Mais on est sur un volcan. J'ai peur que notre bateau prenne cher. Moi, c'est pour ça que j'y suis, là. Pendant qu'il est en train de... Pendant les éruptions, je reste à... Bah, il prend cher, voilà. C'est un euphémisme, j'ai besoin d'aide. J'ai un baril de poudre, je le ramène au bateau. Ici, monsieur Mage. Ah, c'est beau. Non, mais je suis en train de brûler dans l'eau, là. C'est beau, mais c'est oh, dur. Oh, putain. Hein. Bah, en fait, je crois qu'on va couler. On bat les couilles, frère. Ça, je vais mourir brûlé dans l'eau, mec. C'est peut-être un peu dur pour moi. je vois le bateau qui se secoue dans tous les sens. À l'aide, fais drogue. Il y a le drapeau LGBT. Je vais couler, aidez-moi, vite. Je suis en train de découper, genre la chaîne. Ah, si j'arrête de découper. Il y a un truc qui a explosé. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus. Mort. Non, t'as pris un boulet de feu. Je l'ai pas vu venir parce que j'étais en train de regarder le magnifique drapeau LGBT qui nous voyait. On va couler. Ah merde, on avait plein de trucs. Bah, pourquoi je ressuscite dans un bateau coulé là? Ah bah t'es mort. Oh mon dieu. Et moi je fais quoi ici du coup? Et bah tu... Et c'était vraiment un plan foireux, Mage. Hein. En général ça passe. En général ça passe, mon cul, oui. Et ils ont rajouté plein d'îles, non? Ouais, bah c'est ici en fait, c'est la zone volcanique. Ah mais c'est complètement une nouvelle zone en fait. Ouais. Non, mais je me fais bolos par des... Mais il faut pas que tu marches sur les geysers. Mais je marche pas dessus, putain, mais... Voilà, incroyable. Oh, mon gars, mais qu'est-ce que... la banane. Oh, bon, laisse tomber, on va laisser tomber le fort. Je suis le plus gros streamer Pokémon de Steve of Thief, c'est marqué dans ma présentation. Dites-moi, Capitaine Fildrong, oui. Est-ce que vous avez pensé à mettre un pantalon, car vous êtes en culotte? Ben oui, je suis le capitaine en slip, c'est le concept. LA capitaine en slip. Non, n'assume pas mon genre, s'il te plaît. Faut pas confondre identité de genre et expression de genre. Je vous rappelle que le drapeau LGBT est toujours ici, hein. J'ai une moustache, hein. Pardon, excusez-moi, capitaine Drong. Ouais, faites bien attention, hein. C'est pas parce que j'ai perdu ma jambe de bois que j'ai perdu l'autre, hein, comme on dit, hein. Ouais, c'est pas faux. Bon, on va aller voir si on n'a pas une mission. Ça, c'est un nouvel avant-poste, Fifi. T'as des nouveaux trucs à en vendre, tu vois. Oh, attention, il y a encore des geysers, hein, sinon. Ouais, mais t'inquiète, je maîtrise. Oh là, elle est toute cramée, la meuf. Elle s'appelle Grace. Fidron qui fait du RP. Ouais. Ah, elle veut une boîte des merveilles. Elle veut une boîte... Parce que... Mais putain, mais je me fais bolos par des geysers. Ouais, mais t'inquiète, je maîtrise. Je suis un peu... Ah, c'est bon, je vois le drapeau LGBT au loin. Oh non! Putain, mais je me pète la jambe. Non, mais il y en a partout là. Ça me semble un peu dangereux quand même, cette zone. Que quand les volcans tombent du ciel. Allez, les volcans peuvent tomber du ciel. Oui. Alors vas-y,
Fais-nous une expertise là. Ok, on doit aller où là? Normalement c'était Ico le cartographe, le chef des oui, cartes. Oui, j'arrive, 2 secondes, je mets un nouveau pantalon. Voilà, je suis revenu. Bah y'a notre cartographe officiel. Ah oui, mais j'ai mis la carte à M, bah oui, je suis con. Je me suis acheté un accessoire pour faire honneur à notre drapeau. Waouh, putain, mais t'es... T'es ultra moche. Pourquoi t'es roux et pourquoi t'as un dentier, mec, t'as un dentier? Non, c'est du rouge à lèvres. Attends, je peux mettre du rouge à lèvres maintenant? Ouais, il faut que t'en achètes. J'en ai acheté. Bon. Mais c'est que des quêtes sur des îles volcaniques? Pas toutes, mais à peu près, oui. Oh putain, mais nique ta race. Bon, allez, allons-y, là. Il faut qu'on aille, du coup, au sud. On a fait le plein de ressources? Non, on s'en fout. C'est laquelle? C'est la grosse devant moi, là? C'est toi, la grosse. La grosse devant toi, pardon, c'est capitaine. Pardon, capitaine. Oui, c'est moi. Regardez. Pardon, capitaine. Allez, allez. Non, vous inquiétez pas, je n'ai aucun problème avec mon poids, vous savez, monsieur Mage. Tu fais coucou à Lille? Oui, je la préviens que nous arrivons. Jeter l'ancre. Non, mais pas ici. Bah, à quoi sert une barque, à ton avis? Ah ouais, d'accord. Elle est volcanique, Lille? Ah oui, elle est grave volcanique. Ah merde. Je pense volcanique, ta mère. Capitaine, je pense qu'il faut quand même que vous songiez à perdre quelques kilos. Bah écoutez, là c'est un peu ce que je suis en train de faire là finalement. Je vais à l'enfer. Non, t'es bon, Q et D en même temps. Allez, vas-y. Capitaine, je tenais à vous dire que j'ai mis ce rouge à lèvres spécialement en votre honneur. Oula. Ah merde. Merde. Regardez derrière vous, monsieur Ico. Ico Fest. Merde. J'ai pas l'impression qu'on soit assez loin du coup. Pas de pression. Regarde celui-là là. Ah oui, oui. Ah, pack. Ça va, mec. Il passe derrière, le mec. Oh. Attends, j'arrive pas à tourner, j'en ai marre, j'arrive pas à tourner. J'ai Galo qui me regarde avec son air de merde en fille, là. Oh là, il y a un volcan juste derrière, c'est quoi cette scène d'apocalypse horrible? J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Le pire, c'est que moi, je te vois avec ta pagaie en train de la sticoter n'importe quoi. Mais ça tourne pas, ce truc. Mais putain, mais tourne, bordel. Je crois que je m'éloigne de l'île depuis tout à l'heure en fait. Bah oui, j'ai l'impression aussi, c'est bon ça. Arrête. Non, attends, regarde. A few moments later. Florian, on est au milieu de la mer, dans une mer enchaînée. Ico, saute à l'eau pour pousser la barque, s'il te plaît. Laisse Ico essayer. Non, ça tourne pas, Mage. Vous êtes tout, Mage. Mais j'en ai marre, ça tourne pas. Mais mec, attends, depuis tout à l'heure, pour tourner, tu restes appuyé longuement sur une des deux touches. Ah bah voilà, mais tu m'as pas dit. Les touches correspondent à tes rames. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on tourne en vrai, Mage, avec une barque. Hein. Tu sais pas, en laissant une pagaie enfoncée. Je viens de te dire qu'il fallait pas que tu l'enfonces, il fallait que tu l'appuies et que tu la relâches. Et tu recommences. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure de spammer. Je pense en fait, c'est les vagues qui me mettent dans le mauvais sens. Non. Vas-y, Ico. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, hein. C'est oui, mais moi ça tourne, hein, c'est bon. Je tue. Mais alors attends, il y a un truc que je manquais, qu'est-ce que tu faisais? Il y arrive, là tu y arrives en 10 secondes. Attends, comment... Oh putain, là je vous vois, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous allez où? Attends, tais-toi, Ico, explique-moi. Ah, mais c'est bon, tu t'étais trompé. Tu m'avais pas donné les bons trucs, ok, c'est bon. En fait, c'est pas AED, c'est Q et E. Ah, moi, c'est Q et D, hein. Oh putain, ça va tellement vite! T'as vu, Florian? Tu le vois pas sur mon visage, je suis fier de toi. Ah, merci. Ah oui, mais c'est pas du tout cette île, en fait. Alors, sans vouloir avoir l'air désobligeant, c'est un peu ce que je te répète depuis tout à l'heure. Visuellement, j'ai dit Filron, tu vas pas vers la bonne île. Il me fait, oh, c'est bon quand même, c'est ce que je fais. Hein. Bah écoute, Mage, on est. J'étais tellement fier de savoir ramer. Later. Vous êtes où là? Bah on va à l'île là. J'y suis déjà, vous y êtes pas. T'arrêtes pas de tourner, Filron. Mais non, regarde, je vais sur une île. Regarde, il y a une île là-bas là et qui fait des explosions. Putain, où est-ce qu'il va encore? Je sais pas. À l'aide. Je suis le capitaine Fildrongue et je suis perdu en mer. J'aime bien manger, enfin je rigole parce que je n'ai rien à manger. Nous sommes perdus, nous sommes foutus, nous allons mourir. Ah, est-ce que j'arrive? Ouais, on va pas tarder. Je dirais 40 minutes quoi. Non, tu dérives, Fildrongue. C'est bon là, regarde, je nous ai replacés. Je crois pas. Si, le regarde. Le bateau, il est en face là-bas. Ah oui, je. 2000 years later. C'est bon, c'est bien notre bateau. Oui, c'est bon. Vous avez réussi. Oui,
nous aiguiller. Je reconnais grâce au drapeau LGBTQ. C'est bon. Oh, mais on a fait une petite visite du coin. On aurait déjà pu faire 3-4 îles. Terre en vue. Il y a des squelettes. Oui. On a 3 coffres à récupérer. Regarde le sol. Il y a des craquements qui se font à chaque fois. J'ai entendu des bruits suspects. Oh, bouge pas, frère. Arrête. Mais pourquoi vous enchaînez comme ça? Venez avec moi dans l'eau. Viens, viens. T'es où, Mage? Tu l'as trouvé? Derrière, où? Regarde, fais semblant, tu l'as trouvé. Je sais pas où est ma pelle. Ah, elle est là. Bien joué. Et là, c'est tout? Tu le déterres et tu le ramènes au camion. Ah, j'ai trouvé un trésor. Allez, écoute, toi, tu peux trouver l'autre. Il l'a trouvé. Oh là là. Il y avait un coffre là? Ouais, on aurait pas mal. Je suis mort, je crois. Ah, mais c'est moi qui l'ai. Je me suis fait gériser. Courez jusqu'à votre barque, prenez vos caisses, on prend à la main. Moi je prépare le bateau. Le volcan entre en éruption. Et il faut 3 bras pour porter les coffres. 3 bras, 3 chocolats. Bon bah, on s'en va avec un coffre. Non mais attends, c'est bon, j'arrive. Ah mais là je crois que je suis mort. Ah non, c'est bon, tu peux pas mourir. Je vais aider Capitaine Drong. C'est bon, je suis dans la place. Vous avez votre barque? Je suis en train de faire un demi-tour. Non, Capitaine Drong! Oui, j'ai 2 coffres avec moi! Ico classe, vite! Dépêchez-vous, venez! Que l'eau est chaude! Je peux pas reculer! Merde, j'arrive! Bon, bah, on est mort. Non, mais ça va, t'inquiète. Vas-y, poussez la barque, monsieur Clast! Poussez! Poussez, monsieur! Oui, bravo! Vite, montez! Allons-nous-en, vite! Vite! Il faut aller récupérer notre bateau! Oui, j'arrive. Il n'y a plus de bateau. Mais si, il y a encore un bateau, t'inquiète. Non, il est en train de couler présentement. Oui, mais on va le sauver. Non, il est sous l'eau là. Il reste que notre barque. Vous inquiétez pas, tant que la barque est là, on est vivant. J'apparais sur une île qui est en éruption. Le bateau vient de se prendre un autre. Ça va, elle aurait pu être en érection. Mais monsieur Clast, attention, l'eau doit être très chaude. Oui, mais il y a le coffre. Je sauve le coffre. Je reviens vers vous. Oui, s'il vous plaît, parce que sinon je meurs en fait. J'arrive, voilà. Courage, monsieur Clast, vite, dépêchez-vous! Le coffre est prioritaire sur votre vie! Le coffre à 500 gold! Oh, y'a eu un sub! C'est Florian qui a ça! Je viens de mourir alors que j'étais même pas parti! Bah, t'es vraiment nul, hein. Nous on n'est pas mort encore! Ouais, on n'est pas mort du tout, hein! Moi, y'a que les geysers qui me tuent! Ico, tu sais, je profite du fait qu'on est que tous les deux pour te dire que je t'ai toujours trouvé très attirant, ouais! Et tu sais, tu vois que j'essaye de perdre, je sais que je suis un peu lourd, mais oui. Regarde là-bas, Ico, vois ce volcan là-bas. Oui. C'est ce que mon cœur fait quand il te voit. Non mais de toute manière, je te charrie, mais je sais très bien que tu as de gros os. Oui, c'est ça. Acceptes-tu de faire l'amour avec moi? D'accord, mais par les pieds. Oh là là. Oh, Ico. Je ne savais pas que... Je crois que je vais enlever mon slip pour la première fois alors que je suis le capitaine slip. Ah non, n'enlevez pas votre slip, hein. Hé, hey, tire sur mon doigt. Hop. Prout. Hé, hé. Camion. Ah mais c'est horrible, la chaîne Reel, c'est en mode un avant-poste mort. On est dans la zone volcanique, donc c'est vraiment... Mais ça pue du cul, les îles volcaniques. Mais ça pue du cul. Surtout que c'est que des volcans explosifs, là. Ouais, ce ne sont pas des volcans pyroclastiques. Pyrotechniques. C'est bon, on arrive, Mage. Il y en a qui pillent, qui violent, et nous, on fait de la barre. Mais oui, mais c'est toi aussi, tu bouges pas assez le cul, t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Oh, ouais, je vois le bateau. Ah bah, il va me voir couler. Regarde ce que je prends dans la gueule. Ouais. T'inquiète, Florian. Aidez-moi, ils sont nuls. Qui va gagner la course? Après 3 minutes d'AFK, je constate que Fidron est concoissé sur sa chaloupe. Romain, mais regarde, mais maintenant on a des trésors. Oh, ouais. Tu viens de t'étirer, Florian? Bah oui, parce que je me fatigue quand même un peu, là. Bah ouais, je m'approche. Tayo. Vas-y, Florian. Putain, enfin. Je voulais vous dire que j'étais très fier que nous soyons enfin réunis. Je te canonise. Ah, finalement, on n'est pas réunis. Ah, il y a des fantômes. À l'aide. J'arrive.
T'avais prévu qu'il y avait des squelettes? Non, tu m'as pas prévenu. On doit tuer les squelettes, hein. Pourquoi je bah oui, bah mais je vais mourir aussi à cause de toi. Putain, mais mec. Comment ça, à cause de moi? Oh, j'ai touché. J'ai touché, mais j'ai plus de balles. J'arrive, une fille longue. Je vois plus ton film, je sais pas si oh putain, je me fais bolos. Je m'enfuis. Il écoute, il fonce. Bonjour. Ah, capitaine, il est mort. Je suis sur les geysers, quoi. Regarde pas derrière moi parce que j'ai peur. Mais Phil vient nous aider, Firon. Mais j'ai plus de vie. Mais tu vas pas la récupérer en restant dans l'eau. Bah si, je mangeais des bananes. Coco. J'arrête pas de me faire gêner. Alors eux, faut surtout pas se battre contre eux dans l'eau. Ils sont plus forts dans l'eau, comme peut en témoigner leur algue. Je ramène un crâne. Oh non, je suis mort. Monsieur Drone, je ne suis pas d'accord avec votre gestion des combats, là. Votre cachette dans l'eau, là, c'est pas digne d'un capitaine, hein. Bon, faut récupérer le crâne que t'as laissé dans l'eau, finalement. C'est qui tire au canon, là? Pourquoi tu tires au canon, là? Les gars, un vaisseau fantôme qui fonce droit sur nous. Ok, on ramène la barque, alors. Où tu le vois? Tu le vois pas, le vaisseau fantôme, là? Si. C'était pas une bonne idée. Félicitations, je suis content d'avoir participé à cette mort. Ah oui, y a un bateau là-bas. Bon, je propose qu'on rentre dans un... vendre des trucs là. Attends, je vais récupérer des bananes. Est-ce que tu vois cette gestion de la barque, quoi? C'est pas pareil qu'avec Fifi, hein. Bon, arrête. C'est moins bien qu'avec Fifi, effectivement. Ah, merci. T'es un vrai vendu, toi, je te jure. Arrête le seum mal... majeur. Non, monsieur. On arrive trop vite, les copains. T'inquiète, regarde, rien. Ouais. T'as ralenti. Parce que c'est drôle. Non mais attends, c'est parfait. Est-ce qu'on coule ou pas là? Ah bah oui. Non, on coule pas. C'était trop bien. Ah, tu vois, un jour j'étais comme ça dans ma petite chaloupe. Ouais. Et mon bateau il avait coulé à cause d'un kraken. Sérieux? Et j'étais dans une tempête et j'avais tous mes loots. Bah je l'ai mis sur Twitter. Ouais, mais en fait, on te suit pas sur Twitter parce qu'on t'aime pas. Ouais, mais je l'ai mis sur Iconoblast, donc t'es obligé de suivre. C'est à qui déjà qu'on doit ramener? Bah, super, alors si je me fais tuer. Putain, il va le chercher les coffres! C'est très dur de les avoir ici. C'est des coffres cendrés. 2000, regarde ça. Putain, 2000 le coffre. Putain, on a bien fait de. Te faire les cons avec la barque. Putain, mais on gagne plein de pognon là! Ah, Ico, nous pouvons être fiers de nous. Bravo, on a eu moult pognon. Attends, mais moi je suis le capitaine Drone, donc il me faut un look de capitaine. Moi je me suis acheté des vêtements, mec. Je ressemble à un personnage de Jojo. Oh là là, c'est quoi ça? Meda. T'as acheté ça où? Ici? Mais moi je veux pas de robe parce que je suis le capitaine en slip. Tu prends une robe et rien porter en dessous. Hein. Oui, mais ça va se pas se voir. Ah. Bon allez, je m'achète le 7 crabier. Vous avez dit au capitaine qu'il est gros ou pas? J'arrête pas de lui dire, il veut pas perdre du poids. Continue à se goinfrer de bananes là. Oh là putain, je suis en train d'être le mec le plus swag de l'univers. Filon, il a encore son cache-œil, le gars qui a acheté le jeu le premier jour, quoi, day one. Bah c'est trop bien ça, mais ça c'est hyper collector du coup. Ah j'avoue, le test stylé là. Gros, le test stylé. Oh, je suis le capitaine en slip dong. J'ai toujours pas de pantalon. On voit ton slip, c'est bon. Putain, en vrai c'est stylé le 7 crabier là. Et le capitaine Drong au soleil couchant. L'important c'est qu'on voit son slip. C'est perturbant parce que t'es grave bien habillé et puis t'as tes petites cuisses là de... Bah oui, c'est le capitaine Drong. Tes petites cuisses dégueulasses qui dépassent. C'est le principe. Allez, tchou tchou. Bonne nuit.